retrouve sur Halo 1, sorti en 2000, premier jeu de la Xbox première génération, pas les gros magnétoscopes dégueulasses d'aujourd'hui, voilà quoi. Et ce jeu a été aussi sorti sur PC. Mais heureusement, sur PC, on peut quand même jouer avec des gamepads. Ce que je comprends pas, c'est qu'il peut utiliser 4 gamepads. Et qu'on peut jouer qu'à 1. Contrairement à la Xbox première génération. Enfin bref, c'est qu'un détail. Voilà, de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est faire une test en multijoueur. Hein, parce que ce jeu est l'un des meilleurs jeux au monde niveau multijoueur. Pour un total de 200 serveurs, dont la moitié qui sont pas remplis. Ouais, hein, forcément les gens ils vont rejoindre les meilleurs serveurs. Voyons. Ça me tente bien là, un petit Slayer. Ok, là il y a un petit CTF là, mais le ping est carrément élevé. Là il y a... Oh, il y a un bon CTF là. Donc capture... Ouais, capture du The Flag, le capture du drapeau. Il y a des potes avec des chars. Bon, on prend le troisième. Hein. Quitte à faire une bonne équipe. Autant prendre trois chars. Et on fonce. Alors la physique du jeu en général, c'est génial. Juste génial. Par contre, détail à savoir sur le Halo 1. Pour ceux qui jouent aux Halo les plus récents. Je crois que le mec il est mort. Non. Bah non. Ok, si tu veux, meurs pas. Non. Soir. Il a planté le mec. Hey, oh. Voilà. Mieux là. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ou... Je sais plus. Le niveau de pilotage. Voilà. Donc au niveau pilotage, vous êtes obligé de faire une rotation de la caméra pour avancer. Pour avancer, ce n'est pas la gâchette, mais le bouton avancer de base. Genre avancer du joueur quoi. Ça fait mal. Ça fait mal à des coups de sniper quand même. On va mettre tout cassé. Ça c'est bien la physique. Par contre... sur Halo 1, un détail aussi par rapport aux autres Halo, tous les véhicules sont indestructibles. Mais par contre, vous crevez en 2 secondes. Hein. Face à un sniper, qui s'est bien visé, généralement vous êtes dans la merde. Franchement, là, je suis en train de jouer comme une brêle. Faudrait que je me concentre. Hein. Je vais voir sur la vidéo après s'il y a quelques lags, parce que j'en ai quelques-uns. Quelques-uns. C'est l'une des rares parties où j'ai un ping aussi petit. Oh, 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 oui. You, you. T'es où? Merde. T'en étais presque, hein. Bon, en théorie, il n'y a personne là en face. J'ai un pote derrière en soutien. Oh putain, il y a un scorpion en bas. Scorpion qui est l'unité, le char. Là il y a un Banshee, c'est un vaisseau un peu alien. Oups, je crois que je me regarde. Faut lui faire croire que je suis parti, mais par où? Par là, c'est ça. En théorie il va croire que je suis parti sur les Banshee. Gagné. Comment je dis troll. Par contre par là normalement il est censé y avoir un sniper s'il y a du monde hein. Donc on va s'écarter de l'objectif pour marquer le petit drapeau que je sais plus par où il faut passer au niveau sécurité. Pour l'instant sur le radar qui est en bas à gauche je vois personne, ça a l'air d'être plutôt tranquille, par contre descente, j'ai oublié de prévoir la descente. Non. Si c'est bon. Ah
L'équipe bleue a le drapeau, mais par contre, niveau sécurité du mec qui porte le drapeau, il n'y a personne qui vient m'aider, hein. Quoique là-bas, peut-être. Il y a l'air d'avoir la baston là-bas. Peut-être passer par en dessous, hein. Non? Et puis l'air d'avoir le combat. Ok. Bon, on y va alors. Toi, tu t'appelles Chez Spirito. C'est marrant parce que ça ressemble à Pépito. Ouais, bof, c'est nul. Faut commencer par des blagues de merde. Non, mais putain, mais crasse pas, toi, t'es un malade. Allez, fonce, fonce, Alphonse. Ouais, on a posé le drapeau. Voilà, c'est moi qui ai marqué le score, t'as vu? Et salut tout le monde, suite à un petit souci technique, j'ai décidé de vous montrer une deuxième partie de vidéo sur une map où il y a un peu plus concentré quoi, où on rencontre plus de monde, enfin un peu plus offensif quoi. Ah, de me tirer dessus toi, pédale. Devant qu'il faut tirer. Enfin non, pas devant, mais il m'énerve ce temps là. Hop, on y va. Ah, ça commence bien. C'est le temps qui se fait démonter. Bon bah, on s'est fait démonter. Même pas mon pote, tu vois. Il n'y a que moi. Je suis vexé, vas-y. Bon, on va voir. J'ai toujours le même problème du ping sur tous les serveurs. Zaza qui est chiant, littéralement. Le jeu il est top. Et là je suis en train de manipuler le seul véhicule qu'on peut déplacer droite gauche sans tourner la caméra. Il est comme ça là. Le temps que ça il le fait pas, tu vois. Le temps que non, il peut pas. Il peut pas rouler sur lui-même. Non, connard. Ah, le vient. Le pire c'est qu'il aurait pu récupérer un gosse gratuit. Connard. Par contre, par là, le nom de ce qu'il y a. Bon, on va tester ça en... Parce que je connais pas du tout cette carte en plus. Les autres, je les connais à peu près. Et celle-là, jamais vu. Oh, oh. Le nid-le. Le nid-le. Voilà. Ça fait un peu plus mal. Connard. Il était sur la gauche. Personne l'a vu. Juste une feuille. C'est quoi ici? Ah ah. Un aller, c'est juste l'aller. Ouais, c'est ça, je crois que c'est juste l'endroit où je suis mort en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Non. Je l'ai eu. Il manquait. Ah bah non. Bon. Ou gros problème, les grosses solutions. Alors, voyons, voyons. Est-ce que je suis une brêle en char ou non? Là, il y a un gosse derrière moi, un gosse allié. Qui est le véhicule qui pose... Bah, voilà, attends. Le ghost, là. Et c'est un ghost. D'accord, on peut passer sur le pont là-haut. Je sais pas comment on peut faire, mais ça m'a rendu de savoir. Voilà. Et je me fais tirer dessus par derrière. Blue team has the flag. Non, 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 vilain, chier, non.
Ah merde, je suis mort. Bon, normalement j'ai permis à notre captureur de drapeau, je sais pas si ça se dit, notre captureur de drapeau de ramener le drapeau. Ouais, il arrive sans encombre à la base. Ce qui est quand même un peu le but hein, pour marquer. Faut bien rejeter. Oh là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce jeu concrètement? Le gameplay, bah, j'ai dit bien. Graphiquement, bon, bah, il prend un petit coup de vieux, hein, faut le dire. Encore là, avec l'assistance du PC là qui modifie les résolutions des textures, c'est un peu moins moche. Bon, ouais. Je l'ai empêché de monter dans le tank. Je l'ai littéralement écrasé pendant qu'il prenait son tank. Je crois que là, je vais peut-être devoir dire au revoir parce que ça fait pas mal de temps qu'on est sur la vidéo. Oui, oui, oui. Putain, non. Non, 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 non. Bon, bah tant pis. Et sur ce, je vous dis à plus tard. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. Merci.